Est-ce que tu connais en Haïti il y a environ 743 timoun qui diagnostiqué avec maladie cancer, timoun ça fait maladie cancer et il y a trois types maladie cancer que timoun ça yo même yo fait, c'est leucémie aiguë, c'est rétinoblastome et puis tumeur de Wilms. C'est trois types de cancers que yo diagnostiqué la kay timoun yo. Gagnen environ 743 timoun ki nan situation sa depuis l'année 2004 jusqu'à 2020. Peut-être ça pas intéressé personne, peut-être pas gen moun ki au courant de ça, peut-être moun yo ignoré ça parce que si c'est pas timoun pam, si c'est pas timoun ou konnen, ça va tout chaud. Eh bien, madame, monsieur, nous pral expliquer comment maladie ça yo même yo a fonctionné en Haïti et généralement maladie ça yo tue majorité de moun qui gagne yo. Bienvenue dans vidéo ça, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillon pour nous présenter une nouvelle vidéo ça. Je dis à nous pral parler de santé, nous espérer que en forme, nous espérer que santé en forme, santé famille en forme, pas négliger partager vidéo ça avec un autre monde, vidéo ça capable utile. Partager vidéo ça avec proches ou amis depuis mon n'en parler créole, partager la velle et abonner sous channel ça pour prochaine vidéo. Nous remettons en pile non pas c'est El Muller janvier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous content rentrer la caillou pour une nouvelle vidéo. Nous espérons que vous en forme. Bienvenue dans le développement vidéo. Ça, j'en ai annoncé. Nous allons parler exactement de questions maladie, cancer qui a fait rage, surtout la caille en Haïti. Nous connaissons maladie cancer, c'est une maladie, madame, monsieur, qui fait parler de lui, qui fait un pile monde peur dans le monde. Et yo dit que maladie ça a pas gagné traitement, madame, monsieur. Il y a plusieurs types de maladies cancer. N'a parlé généralement en Haïti, nous connaît que qui gen situation pays a et question santé publique en Haïti sont bagay nous ka dit qui presque négligé, qui presque pas existé pour question santé publique en Haïti. Donc n'a parlé de un cas spécial, un cas spécifique qui c'est maladie cancer. Donc parce que ça a besoin des spécialistes, il besoin des spécialités, madame, monsieur, et que même maladie ordinaire, même maladie commune, madame, monsieur, nous connaît que qui difficulté moun a fait face pour un soin là-dedans, dans la question santé publique en Haïti. Donc, c'est un bagage qui presque pas existé en Haïti et j'en question santé en Haïti. Mais, sujet ça a intéressé nous parce que nous connaissons 4 février passé, c'était journée mondiale contre cancer, madame, monsieur, et bien, on pral brancher sur ce sujet ça. Pour nous capables d'attirer l'attention sur la question ça qui c'est maladie cancer. Gagné 82% dans timoun sa yo qui perdu la vie yo malheureusement, madame, monsieur, et 18% yo même yo joigné au centre en Haïti qui capable prendre soin yo, mais gagné moun nous connaît qui pas remet question l'hôpital là, yo kon obligé abandonner centre là. Donc nous pral bon détail dans vidéo ça, madame, monsieur, bienvenue. Et question trois types de cancer ou capable jouer plus la carte immunio, c'est le leucémie aiguë, c'est rétinoblastome avec tumeur Wilms. Donc maladie ça yo, cancer ça yo, c'est yo qui plus développé la carte immunio, madame, monsieur, et yo gagné de graves conséquences sur timounio, surtout le timounio pas joindre soin qui nécessaire. Maladie ça yo, oui, yo capable traiter depuis que moun nan gen tan diagnostiqué bien bonheur, ti moun nan bien entendu gen tan diagnostiqué bien bonheur et li joindre soin nécessaire. Donc madame, monsieur, selon docteur
Pascal Yola Gassan, lui-même qui c'est chef unité oncologique pédiatrique dans l'hôpital Saint-Damien, qui c'est seul l'hôpital nous t'a dit dans le pays d'Haïti qui gagne une unité qui gère question ça. Dans le cadre d'une interview que Dr. Gassan lui-même lui t'a accordé avec journal Les Nouvellistes, lui fait qu'on a gagné en 2015 65, en 2016 t'a gagné 69, en 2017 78, en 2018 yo t'a recensé 87, en 2019 yo t'a recensé 89, en 2021 madame monsieur li chuté par 68. Donc pense que c'est yon bagay qui t'a dwe préoccupé plus moun nan peyi a. Notamment konnen peyi d'Haïti genyen problème sa nou rele infrastructure sanitaire et li genyen problème spécialiste. Madame monsieur, spécialiste pour question ça, surtout nous dit que c'est yon question que moun néglige. Donc en dépit de tout l'autre problème santé que Haïti gagne, tout l'autre problème que pays d'Haïti gagne, mais problème ça c'est yon bagay ka ravager ti moun yo silencieusement. Peut-être nous capable ignorer ça, peut-être c'est à cause faute de moyens, à cause des problèmes infrastructure qui fait que gagne situation ça cap répéter en Haïti. Donc madame monsieur, ça c'est une situation qui pas doit préoccuper plus monde, j'aime dire là, parce que ça arrêté un défi pour pays d'Haïti. L'on connaît dans le moment n'a pas les a gagné un seul hôpital, un seul hôpital qui a capacité pour recevoir six monde de 0 à 14 ans dans circonstance ça qui c'est l'hôpital Saint-Damien madame monsieur. Côté que l'hôpital ça a les gagné 7 cabanes, 7 cabanes nan gen 10 qui dans hospitalisation et gagné 7 qui pour clinique externe madame monsieur. Donc parce que MSPP ministère santé publique et population ta doué joindre collaboration l'autre secteur, l'autre acteur qui concerné dans domaine ça pour essayer combattre et maladie ça, pour essayer combattre cancer infantile là madame monsieur, qui c'est un problème grave aux société a qui a détruit la vie de monde dans pays a, pendant que n'a préoccupé nous en question politique, question monde qui nan chômage dans grand groupe, pendant que n'a préoccupé nous à tout l'autre problème que pays ça capable connaît, mais l'ignorance là capable faire que nous perdu en pile ti moun jan nou wè chiffre yo ba la 82% la dan yo givé perdu la vie yo madame monsieur nan ti moun yo diagnostiqué avec cancer. C'est vrai que gen moun ki kite l'hôpital la à cause yo estimé que madame monsieur yo gen droit passer trop temps l'hôpital la, yo pa arrêté sous traitement. Et gen moun malheureusement, malgré yo gagné éducation avancée, yo konn pa rete l'hôpital. Donc n'a parlé surtout dans cas adulte qui yo même konn gagné maladie cancer. Donc madame monsieur, me pensais que nous informer de situation ça moins t'ai attiré attention nous sur situation ça. Donc nous fait appel à santé publique avec l'autre acteur qui concerné dans domaine santé spécialité dans surtout domaine oncologique, donc pour capable porter la main forte avec santé publique pour arriver combattre nombre de petits monde capable attraper maladie cancer. Merci pour fidélité et attention, parce que tu es arrivé dans la fin de la vidéo, ça va négliger partager avec un autre monde qui est capable d'utiliser. Et nous espérons que vous abonnez sur la chaîne. Bisous, mesdames, papa pour monsieur. Ciao, ciao.